Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la révolte des Lustucru. Ce nom peut paraître étrange, mais derrière ce nom particulier se cache une véritable révolte qui s'est déroulée en France, dans le nord de la France, à l'époque du coup de Louis XIV, sous son règne. Ça s'est déroulé donc en 1662 dans une région qui jusqu'à présent avait bénéficié d'un certain nombre d'avantages fiscaux, on va dire. Elle était exonérée d'un certain nombre de taxes. Elle était rattachée à la France du coup au moment du rattachement de la Picardie à la France, une zone qui était assez disputée entre les Anglais qui pendant longtemps quand même ont tenu Calais, donc il y avait leur influence dans la région, il y avait les territoires flamands également qui avaient leur importance, qui pouvaient avoir des vues sur cette région aussi. Donc dans ce territoire disputé, accordé un certain nombre d'avantages. C'était une manière de fidéliser la population au sein du coup du royaume de France et aux souverains de ce royaume. Cependant, en 1661, Louis XIV, dont le règne personnel a commencé depuis une dizaine d'années, a des soucis financiers au niveau de son royaume du fait des coûts des guerres. Louis XIV a mené un certain nombre de conflits et ceci coûtait cher. Dans ce contexte-là, il fallait lever de nouvelles taxes et le Boulonnais, du coup la région où s'est déroulée cette révolte, n'a pas été épargné par cette taxe. Alors au début, les premières qui ont été levées du coup à l'époque de la guerre de 30 ans du coup contre l'Espagne ont été assez acceptées. Alors il y a eu quelques protestations, mais globalement on a considéré dans au sein de la population du coup de cette région et des nobles également que cette taxe pouvait être acceptée face à cette situation de guerre. Cependant, en 1659, la guerre prend fin avec les traités des Pyrénées et le royaume de France traverse une période de paix. Il ne paraît alors plus justifié de maintenir cette taxe et des réclamations ont été faites à ce moment-là pour que les taxes acceptées temporairement soient levées. Sauf qu'elles ne seront pas levées. Au contraire, le roi de France souhaite du coup continuer de récolter cet argent pour remplir les caisses de l'État, mais aussi réduire les avantages que bénéficiaient certaines provinces qu'il considérait comme étant exagérées et injustifiées. C'est dans ce contexte du coup que ces nouvelles taxes sont mises en place et que des agents sont envoyés les récolter. Un précepteur est ainsi envoyé en janvier 1662 et les habitants vont refuser de payer en fait. Et la sénéchaussée locale refuse d'intervenir, refuse du coup de forcer la population à payer. Et donc en réaction, on a une force de 250 cavaliers qui est envoyée par les autorités, menée par un lieutenant général de la sénéchaussée du coup, Antoine Leroy de Lauzenbrunn, qui donc ont envoyé pour faire payer de force les habitants en juin 1662. Ils vont alors rencontrer une nouvelle fois la résistance des habitants, et c'est par centaines que ceux-ci s'en prennent aux colonnes de cavaliers, ce qui conduit à un certain nombre d'affrontements. Ils sont également chassés du coup des maisons où ils avaient leur logis, et donc les cavaliers vont au moment ouvrir le feu sur les insurgés, ce qui va faire plus de 80 morts au sein de la population, ce qui ne va pas ramener le calme, bien au contraire, et du coup début juillet, c'est par milliers que les insurgés se comptent. Ils vont ainsi occuper les villes et plusieurs lieux importants de la région, mais sans bénéficier vraiment d'une organisation importante. C'est pas structuré, ça s'organise un peu de manière spontanée aux différents endroits. Il y a quelques anciens soldats qui les aident à s'organiser, mais globalement, la noblesse reste en retrait, à différence de ce qu'on a pu observer dans d'autres régions où la noblesse a pu soutenir ses paysans face au roi. Là, la noblesse ne prend pas position en leur faveur, elle reste fidèle au roi. De toute façon, elle n'est pas concernée par cette taxe. Et du coup, ce manque de préparation va leur coûter cher lorsque le pouvoir royal décide de mettre fin à ce bazar. Des renforts sont ainsi envoyés pour mater la révolte et la répression va ainsi pouvoir commencer le 11 juillet avec plusieurs du coup, compagnies de cavaliers ainsi que des gardes suisses, le tout appuyé par de l'artillerie. Donc on n'est quand même pas devant une petite force envoyée, hein, ça y va fort. La révolte fut ainsi rapidement matée. Alors certes, les rebelles vont pouvoir se replier dans un château, mais ils y manquent de vivres et d'armement et sont donc pas en position de tenir un siège. Ils ne vont donc pas résister longtemps et plus de 500 insurgés vont être faits prisonniers alors que les patrouilles du coup de soldats parcourent le pays pour mettre fin aux dernières poches de résistance. Parmi ces 500 prisonniers, deux vont être pendus immédiatement alors que plusieurs habitants de la région vont fuir, rejoignant les Flandres ou l'Angleterre. Ensuite, du coup, la répression va se poursuivre avec des condamnations. Plus de 300 révoltés sont condamnés aux galères. Deux autres meneurs vont être condamnés au supplice de la roue. Un autre sera pendu. Les maisons des meneurs vont être détruites, rasées. Et il y aura également un noble qui a soutenu du coup le mouvement, qui va perdre son statut et qui va être condamné à mort lui aussi. On va également avoir l'interdiction des marchés de la région pendant un an et une amende va être rajoutée à la taxe en punition de cette révolte. Et du coup, ils vont devoir finalement payer cette fois sans vraiment pouvoir s'y opposer.
Et c'est ainsi que la révolte des Lustucru va prendre fin. Alors, par la suite, quand même, un certain nombre de privilèges vont quand même être maintenus, et l'amnistie sera accordée au reste de la population par la suite, histoire vraiment de passer l'éponge, une fois que la répression a fait un travail d'exemple. Il y a eu des exemples, maintenant, il faut passer à autre chose. On peut, du coup, maintenant qu'on a vu l'histoire de cette révolte des Lustucru, s'interroger sur le nom. Alors, ce nom a été donné a posteriori et probablement plutôt du coup pour tourner en dérision la révolte, puisque le Lustucru, ça fait référence à un personnage un peu folklorique d'un forgeron médecin qui répare avec ses outils les bonnes femmes. C'est aussi un nom qu'on retrouve dans un peu les farces, tout ça. On peut aussi retrouver la définition dans le littré. Qui indique que c'est un terme populaire qui désigne un pauvre diable, un homme ridicule. Voilà, donc on n'est pas exactement sûr d'où vient exactement le nom, comment il a été donné, mais semble-t-il que c'est plutôt du coup pour désigner ces révoltés qui étaient inorganisés et qui ont cédé très facilement, comme étant voilà, des hommes rustres, peu éduqués et ridicules. Donc c'est vraiment péjoratif, mais le nom en tout cas est resté dans les mémoires, mais il n'a rien à voir du coup avec les pattes Lustucru. Très bonne par ailleurs. Et il faut voir que le règne de Louis XIV a été marqué par plusieurs révoltes, des révoltes paysannes dans un contexte de difficultés économiques avec les taxes qui sont levées face aux situations de guerre, et les guerres elles-mêmes qui impactent la population, avec des troupes qui passent, qui piquent, qui se vivent sur le pays. C'est ce qui s'était passé également dans le Boulonnais avant, et ça a été aussi une des raisons qui ont fait que ces taxes étaient peu acceptées. Déjà, on avait subi les effets de la guerre. Donc on va avoir des révoltes en Auvergne en 1662, dans les Pyrénées en 1664-1665, et dans les années 1710, on aura plusieurs dans l'ouest du pays. Là aussi, elles vont être réprimées. Les Lustucru, du coup, n'est donc qu'une de ces premières de cette série de soulèvements. Mais à chaque fois, c'est des soulèvements non concertés, qui restent locaux, qui certes secouent le royaume, mais qui n'ont qu'un objectif vraiment révolutionnaire et de changer le système. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si c'est le N'hésitez pas à l'aimer et à la partager si vous avez apprécié les choses, je pense que vous avez appris des choses d'ailleurs. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et si vous êtes intéressé par le visuel qui est en miniature, qui montre une révolte de pâtes Lustucru, que je trouve assez amusant, nous l'avons intégré à des t-shirts et autres produits sur notre boutique. Vous pouvez toujours jeter un coup d'œil pour voir si ça vous intéresse pour vous ou à offrir à Noël. Et je vous souhaite du coup une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Alors, avant de terminer, de conclure cette vidéo, pour ceux qui sont encore là, j'ai un petit message à vous annoncer. Alors, j'ai déjà annoncé, mais je profite du coup de ces vidéos qui sont regardées forcément par plus de monde qu'une annonce vidéo. J'ai écrit un livre sur du coup la mine de Champagnac et une mine de charbon dans le Cantal, qui est l'objet du mémoire d'histoire que j'ai réalisé, que j'ai soutenu à Clermont-Ferrand. Et j'ai adapté une partie de ce mémoire en livre portant sur la fermeture de la mine, la reconversion du territoire avec et les raisons de la fermeture, avec des points du coup nationaux du coup sur le contexte aussi national du charbon en France et des comparaisons avec d'autres reconversions de bassins miniers et certains éléments qu'on retrouve dans la reconversion du coup du bassin minier de Champagnac qu'on retrouve ailleurs. Donc ça peut être intéressant aussi non seulement si vous êtes du coin, mais si l'histoire minière est quelque chose qui vous intéresse, ce livre peut vous intéresser éventuellement. Donc il s'appelle Quand la mine s'arrête. Vous pouvez éventuellement du coup le demander en librairie. Alors c'est de l'auto-édition, donc les librairies n'ont pas forcément, mais vous pouvez du coup leur en parler pour qu'elles le commandent, hein, comme contact du coup sur Histoire d'apprendre, et je pourrais leur envoyer. Sinon, il est également disponible en ligne, notamment sur le site Bookilis, mais j'encourage quand même plutôt l'achat en librairie si possible. Donc voilà, je vous mettrai comme le lien au cas où, mais dans l'idéal qu'une librairie me le commande. Si vous êtes du coup plutôt autour du Cantal-Corrèze, là vous avez des chances d'avoir des librairies qui l'ont déjà, puisque du coup j'en ai déposé dans plusieurs librairies et médiathèques. Donc là aussi, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, vous passez dans le coin, à aller directement voir. Donc voilà, j'ai terminé avec cette petite annonce de fin de vidéo. Au revoir tout le monde!